Travaillez déjà? Depuis une heure. Vous étiez moins matinal avant la guerre. Le froid m'empêchait de dormir. Je devenais fou dans mon lit, j'ai fini par me lever. C'est bizarre, mais on gèle beaucoup moins quand on est assis. C'est parce que vous travaillez, ça vous fait penser à autre chose qu'à la température. Oui. Je crois que la position aussi joue un grand rôle. Quand on est couché, on présente moins de résistance au froid. C'est une impression, en tout cas. Et à quoi travaillez-vous? Vous allez rire, Daniel. Je rédige quoi donc? Un cours. Un exposé. Non. Des pensées sur le dernier chapitre du bal de l'Observatoire. De Blatec? Vous connaissez un bal de l'Observatoire écrit par quelqu'un d'autre? Comprenez-moi, professeur. Je vous connais depuis des années et je ne vous ai jamais entendu dire que du mal de Blatec. Vous connaissez depuis des années, mais... Depuis combien de temps habitez-vous avec moi? Depuis que les barbares ont démoli mon quartier. C'était il y a 2 mois déjà. Et en 2 mois, Daniel, vous avez pu me regarder vivre. M'avez-vous vu lire Fraternis? Non. M'avez-vous vu lire Aubernache, Esperandio, Klebettingen? Non. Quelle conclusion en tirez-vous, mon cher Daniel? C'est normal. Depuis le temps que vous parlez de Haucourt, vous connaissez leurs œuvres par cœur. Vous avez écrit une thèse sur Fraternis. Vous n'allez pas quand même le relire? Bon, vous avez tort d'être indulgent. Ça ne vous rapportera aucun avancement. Avant la guerre, j'aurais pu faire de vous un chargé de cours. Aussi longtemps que la paix ne sera pas revenue, et vous savez comme moi qu'elle ne reviendra pas de sitôt, vous resterez mon assistant. L'effort de guerre de l'université consiste à bloquer les promotions. Je sais tout cela, professeur. Mais je ne flagorne pas, je trouverais idiot de vous voir lire et relire les auteurs dont vous nous chantiez les louanges au cours. Et de me voir lire ce que je tournais en dérision devant mes étudiants, vous trouvez ça intelligent? Je me dis que vous devez avoir vos raisons. Mais non, Daniel, que cette guerre vous ait appris au moins l'intolérance. Sinon, elle n'aura servi à rien. Mais ne servira à rien, professeur. À supposer qu'elle nous apprenne quelque chose, elle nous tuera de toute façon. Ah, vous n'avez vraiment pas d'humour, vous. Parce que vous trouvez qu'il y a de quoi rire? Mais oui, il y a de quoi rire! Vous avez le privilège de découvrir ce que n'avouerait jamais aucun professeur de littérature. Ce qu'il lit. Ce qu'il lit vraiment pendant son temps libre. Temps libre? La guerre est-elle un temps libre? Ah. Pour moi, elle est un temps libre obligatoire. Avant, je donnais 14 heures de cours par semaine. Maintenant, je donne cours quand on ne bombarde pas l'université. Nous sommes vendredi. Eh bien, cette semaine, j'ai évangélisé mes étudiants pendant 40 minutes. J'ai donc beaucoup plus de temps pour mes mauvaises lectures. Moi, je suis à l'université presque aussi souvent qu'un. Vous êtes jeune et héroïque. Laissez-moi le privilège de l'âge et de la lâcheté. Ce n'est pas tant par héroïsme. Je vous assure qu'il fait beaucoup moins froid à l'université. Professeur, le poêle est de nouveau éteint. Je n'ai plus de combustible. Regardez, toutes les tables y sont passées. Et même le secrétaire en marqueterie.
Brûler les chaises serait une erreur. Nous aurions beaucoup plus froid si nous étions assis par terre. Vous savez pourquoi il fait plus chaud à l'université? Parce qu'elle est bombardée sans cesse. À chaque bombardement, vous avez des planchers détruits à brûler. Si les barbares torpillaient davantage mon quartier, je pourrais vous offrir un gîte plus tempéré. J'appelle ça de l'humour à froid, professeur. Ah, mais bravo, Daniel! Vous voyez bien que la guerre peut rendre spirituel. Si seulement j'avais l'impression d'être en guerre. La guerre, c'est se battre. Et nous ne nous battons pas. Nous sommes assiégés. Oh, je ne suis pas d'accord, vous vous battez. Pour nos autres professeurs, continuer à donner cours, c'est nous battre. Et pour nos étudiants, continuer en dépit des bombes à s'intéresser à la place de l'adverbe dans les subordonnés chez les poètes romantiques, eh bien, c'est se battre. Je me demande si ça les intéresse. Je les soupçonne de venir au cours parce que l'université est encore chauffée. Oui, chauffée mais bombardée, ils y risquent leur vie. Hein. Ne diminuez pas leur mérite. Très sincèrement, professeur, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent à la vie. Et je le dis parce que je l'ai expérimenté sur moi-même. Le matin, quand je me lève à 4 heures pour aller à l'université, je ne pense ni à ma thèse, ni aux bombes, ni au trajet à découvert dans les rues. Je pense vivement la tuyauterie bien chaude de la bibliothèque facultaire. La tuyauterie? Vous n'avez pas remarqué? Les tuyaux qui longent les murs de la bibliothèque sont brûlants. Alors je colle mon dos et mes bras le long des réseaux de tuyauterie jusqu'à ce qu'ils donnent à mon manteau une odeur de roussi. Oh, quel rêve! Hey, merci pour le tuyau. Eh bien, quand je me lève le matin, c'est à ça que je pense, au tuyau brûlant. Je ne pense ni à la vie, ni à la mort, ni à la guerre, aux barbares, ni à ma thèse. Vous vous en doutiez. Ni même à la fin. Ni à Marina? Ni à Marina, professeur. Je pense au tuyau brûlant, à leur chaleur qui transpercera mon manteau. Je commence à comprendre pourquoi vous passez le plus clair de votre temps à la bibliothèque facultaire. Vous imaginiez vraiment que c'était par passion pour ma thèse? Oh, bah, avec vous, on ne sait jamais. Vous avez un air si idéaliste. Mais je suis idéaliste. C'est pour ça que cet état de siège m'est insupportable. Il fait de nous des animaux. Ah, ben si cette guerre a pu vous apprendre que nous étions des animaux, c'est déjà bien. Votre bonne humeur m'énerve. Et puis pourquoi ne mettez-vous pas votre manteau? Vous avez trop chaud. Bah, je suis chez moi. Je ne porte pas de manteau quand je suis chez moi. Alors ça, c'est l'argument le plus inepte que j'ai jamais entendu. C'est ridicule, où est-il ce manteau? Enfin, écoutez, vous n'avez rien demandé, hein, Daniel? C'est ridicule, vous êtes bleu de froid. Où est-il ce manteau? Et voici. Vous allez me faire le plaisir de... Je ne le mettrai pas! Quel est ce comportement grotesque? Ben, votre manière de continuer le combat, c'est de donner cours comme avant. Ma manière, c'est de ne pas mettre de manteau quand je suis chez moi. Le jour où je le mettrai, je... me sentirai vaincu. Comment un homme aussi intelligent que vous peut dire une telle absurdité? Mais je ne suis pas intelligent. Je n'ai aucun plaisir à lire les auteurs que j'admire. J'aime lire Blatec parce que c'est bête. Ça fait 25 ans que je vends à mes étudiants. Et en quoi ceci vous empêche-t-il de mettre votre manteau? Et si j'ai envie d'être stupide? Hein? Marina. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que votre chère et tendre ne me laisse pas le droit de ce idiot. Si vous ne voulez pas de votre manteau, moi je le veux bien. Le poil s'est éteint. Je sais, Marina, je n'ai plus rien à brûler. Et ça? Les étagères, elles sont en métal. Non, les livres. Ce n'est pas du combustible, Marina. Mais si, Daniel, ça brûle très bien. Oh, bah, si nous nous mettions à brûler les livres, vraiment, alors là, nous aurions perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre. Allons, mon enfant, vous êtes très fatigué. Ah, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. C'est notre deuxième hiver de guerre. L'hiver dernier, si l'on vous avait dit qu'il y en aurait un autre, vous auriez conclu alors ce que nous aurons perdu la guerre? Pour moi, elle était déjà perdue l'hiver passé. Je l'ai compris au premier jour de froid. C'est parce que vous êtes trop frileuse. Normal, combien pesez-vous? 80 livres? Je pèse 2000 livres. Les livres que vous brûlerez pour me réchauffer, professeur. Marina. La nature était injuste.
Les hommes ont toujours été moins frileux que les femmes. Grâce à la guerre, j'ai compris que c'était ça la seule différence entre les sexes. Ainsi, en ce moment, vous croyez que j'ai perdu l'amour des livres ? Moi, je crois que vous n'avez jamais été capable de les aimer. Vous les avez toujours vus comme du matériel pour vos thèses, et donc pour votre avancement. Oh, oh, j'adore l'air limpide avec lequel cette jeune fille nous injurie. Je ne vous injurie pas, je plaide ma cause. J'essaie de vous faire comprendre que vous ne tenez pas tant que cela à ces livres. Oui, pour que nous les brûlions le cœur léger, afin de réchauffer mademoiselle. Vous commettez une grosse erreur de calcul. Si vous parvenez à nous démontrer que nous sommes bel et bien des arrivistes sans armes, nous serions amenés non pas à brûler ces livres, indispensables à nos basses ambitions, mais à vous brûler vous, car vous ne nous êtes d'aucune utilité, Marina. Professeur! Je ne vous ferai pas une flambée très imposante, professeur. Vous seriez ce que vous êtes pour Daniel, un feu de paille. M'arrêtez! Je sais. Chaque automne, Daniel séduit une étudiante de dernière année. De dernière année, pour avoir la certitude de ne pas la revoir l'automne d'après. J'ai observé le manège 4 années de suite. Je sais comment ça fonctionne. À certains signes, j'avais pu supposer que je serais l'heureuse élue de ma promotion. C'était la seule incertitude. Alors, comme j'ai bien conscience de n'en avoir que pour un an, j'en demande un maximum. Tu es horrible. C'est moi, Daniel, qui suis horrible, ou est-ce toi? Ou est-ce la guerre? Si tu penses vraiment ce que tu viens de dire, je ne comprends pas comment tu peux m'aimer. Moi non plus, je ne comprends pas. Si tu penses vraiment ce que tu viens de dire, ton attitude est indigne. Mon attitude est indigne, Daniel. Charmant, charmant, charmant. Du Marivaux en pleine guerre. Du Marivaux, vous voulez dire du Fraternis? Ah, vous avez raison. Comment ce gros bourgeois de Fraternis a-t-il pu comprendre tant de vérités nues et dures sur la misère de l'amour? Oh non, pas de considération littéraire! J'ai froid, je veux du feu! Vous voyez, Daniel, c'est comme ça que parlait la femelle préhistorique quand elle rentrait au Bertha. Vous avez beau jeu de me mépriser, professeur. La guerre ne vous a pas assez fait maigrir. Si vous aviez aussi froid que moi, vous me comprendriez. Il faut vous nourrir davantage, mon petit. Quelle excellente idée. Et que me proposez-vous? À part un morceau de cadavre gelé, je ne vois pas ce que je pourrais manger. Attendez. Voici un aliment qui vous nourrira davantage. L'honneur de l'horreur de Klebettingen. Vous allez dévorer ça. Quel cynisme! Je vous assure que ça vous fera du bien. Je le brûlerai, je ne le lirai pas. Ah non, Marina, si c'est pour le brûler, ne prenez pas celui-là. Ah non? Vous avez peut-être des ouvrages plus combustibles. J'ai surtout de moins bons livres. Je veux enfin savoir quels étaient les bouquins que vous faisiez semblant d'aimer. C'est précisément ce dont nous parlions avant votre intrusion. Voilà. Voilà, ça vous pouvez prendre. Le journal de Sterpenich. Eh bien. Ce n'est pas assez. Comment ça, je vous en donne deux à la place d'un seul, petite garce? Vous déraisonnez, professeur. Un Klebettingen ne vaut plus que 2 Sterpenich. Écoutez-moi cette femelle calculatrice. À vous de fixer la valeur de Klebettingen, professeur. La question est d'une réelle envergure littéraire. Bon. Puisque nous avons commencé par Sterpenich, vous m'embarquerez Ces combats éternels et les 3 tomes de sa correspondance avec Belinda Bertofio. Vous feriez mieux de trouver ça suffisant, vous seriez incapable d'en porter plus entre vos bras fluets. Posez-les par terre, je n'ai pas confiance. Voilà votre Klebettingen. Sterpenich. Et dire que vous m'avez forcé à le lire lorsque j'étais en première année. Bon, ne me dites pas que vous l'avez vraiment lu. Si, professeur. J'ai jamais été assez intelligente pour faire semblant d'avoir lu un livre. J'ai lu tout Sterpenich. Vous vous rendez compte, Daniel? Nous avons des étudiants qui lisent des livres que nous leur demandons de lire. Si j'avais su, j'aurais eu quelques scrupules en dictant la liste des lectures obligatoires. Ma pauvre petite, je suis désolée. Ne soyez pas désolée. Vous n'imaginez pas avec quelle jubilation je les jetterai au feu.
Quand je l'ai lu il y a 4 ans, c'était la paix, c'était le printemps. J'ai gaspillé des jours de paix et de printemps à assimiler ces pages illisibles dont vous nous disiez tant de bien en cours. Jamais autant d'affaires ne seront aussi légitimes que celui-ci. Au revoir, professeur. À ce soir, Daniel. Elle a emporté votre manteau. Je vous le rapporterai demain. Laissez-le lui. Elle en a plus besoin que moi. Elle vous a déjà pris tout ce terpeniche, professeur. C'est pas une grande perte. Et puis, entre nous, elle a raison. Si vraiment elle l'a lu en entier, elle a bien droit à une petite vengeance. Quand même, j'ai honte pour elle. Ben vous avez tort, c'était vrai ce qu'elle disait. Les femmes souffrent plus du froid que les hommes. J'ai remarqué que 80% de mes maîtresses avaient les pieds glacés. Et elles n'étaient pas forcément maigres. Alors quand je vois votre petite Marina, légère comme un souffle, je pense à ses pieds. Aux pieds que vos pieds toucheront cette nuit, et je me dis que la température de ses orteils doit être effroyable. Elle l'est. Mais elle a été d'une impudence. En effet. Mais ça lui allait bien. Elle a ce genre de beauté pathétique, qui resplendit dans l'impertinence. Nous avons eu droit à un beau spectacle. Avouez que ça valait tout ce terpeniche. Je ne vous aurais jamais cru aussi indulgent. Ah, mais je ne suis pas indulgent. Je trouve que vous avez bon goût. Elle est encore plus délicieuse que celle de l'an dernier. Comment s'appelait-elle déjà, celle-là? Incapable de m'en souvenir. Sonia. Sonia. Elle a été tuée en juin dans un bombardement. Heureux bombardement qui vous a évité la rituelle et pénible rupture du mois d'août. Professeur, vous êtes infâme. Je ne suis plus le même depuis la mort de Sonia. Essayez-vous de me dire que si Sonia n'était pas morte en juin, vous seriez encore avec elle aujourd'hui en décembre? Ah, d'autres. Non, je vous parle de Marina. Je ne crois pas que je romprai avec elle en août. Ah, vous avez l'impression, vous avez envie de rompre plus tôt? Non, je crois que je ne la quitterai pas. Je l'aime. Bah, vous aimiez toutes? Oui, mais depuis la mort de Sonia, je ne suis plus le même. La guerre vous rend mélodramatique, mon petit Daniel. Vous feriez bien de relire Terpeniche avant que votre dulcinée ait mis le feu. Je l'imagine dans sa chambrette d'étudiante, agenouillée devant son poêle de fortune, et y brûlant en Terpeniche avec son sourire d'ange. Je regrette de ne pas avoir ça. Vous avez beau jouer les cyniques. Vous êtes attendri comme un père quand vous parlez de Marina. Attendri comme un père? Ah, ça, c'est drôle. Ce que vous ignorez, c'est que si elle n'était pas aussi jolie, je l'aurais jetée dehors avant même qu'elle ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Alors cessez de vanter la bonté de mon noble cœur. Pourquoi faut-il toujours que vous disiez des horreurs? Vous trouvez que la guerre ne nous en procure pas assez? Ah, moi, cette guerre, elle me donne une terrible envie d'être enfin lucide. Et je vous invite à m'imiter, car enfin, vous n'êtes pas plus généreux que moi. Si Marina n'était pas aussi jolie, vous ne l'auriez pas prise sous votre protection. Mais alors? Je l'aime. Cela fait-il de moi un salaud? C'est comme en littérature. Tout dépend du choix des mots, de la tournure de votre phrase. Si vous dites « Je protège Marina parce que je l'aime », les gens penseront que vous êtes un cœur pur. Mais si vous dites cette autre vérité, que vous ne direz jamais, à savoir, peu importe le sort d'Anna, de Bertha, de Stéphania, qui sont laides à rire, je vous laisse le soin de conclure. Or, d'une certaine façon, ces deux phrases sont synonymes. Arrêtez! Depuis cette dernière demi-heure, il me semble avoir entendu plus d'atrocités que je n'en ai ouït durant ma vie entière. C'est ça, la guerre, mon petit Daniel! Difficile à préciser. On dirait que ça vient de l'université, mais ça pourrait être aussi bien aux anciens entrepôts. C'est sans doute les entrepôts.
Les barbares sont assez bêtes pour croire que nous avons encore de la nourriture. Bon, j'espère que vous avez raison. Enfin, Daniel, même si c'est l'université, Marina n'y est pas encore. C'est pas une marathonienne. Allez, calmez-vous. Allez, calmez-vous, venez vous asseoir. Allez, venez, asseyez-vous. Allez. Mine de rien, c'était une sacrée question que me posait votre cher et tendre. La formulation habituelle en est « Quel livre emmèneriez-vous sur une île déserte ?» Interrogation que j'ai toujours trouvée un peu stupide, car absurde. Si le métier de professeur d'université devait en prime offrir un voyage sur une île déserte, ça se saurait. Mais posé à l'envers, la question devient essentielle. Quel livre aurions-nous le moins de scrupules à détruire? Sans la guerre, je n'aurais jamais envisagé cette hypothèse. Et s'il n'y avait pas eu Sterpenich, je me demande quel auteur j'aurais choisi en premier lieu. Avec votre bibliothèque comme stock de base? Oui. Elle constitue un peu la bibliothèque de l'honnête homme. En plus révolutionnaire, peut-être. Que choisiriez-vous? Difficile. Maintenant, prenons Le Mal Mobile. J'ai toujours pensé que c'était le plus mauvais livre de Fosteri. Mais il est indispensable à la compréhension du reste de son œuvre. Et puis voilà, je commence la première page, et je ne le trouve plus si inintéressant que ça. Peut-être à l'idée que je dois le détruire. Vous êtes un incorrigible sentimental. C'est comme lors de vos ruptures du mois d'août, chaque année à la fin juillet, vous vous mettez à trouver mille charmes à celle qui vous lassait un mois auparavant. Mais c'est la perspective de la quitter qui vous illusionne, rien d'autre. Allez, pas de sensiblerie. Mais je retiens votre première suggestion. Le Mal Mobile de Fosteri. Pas un mauvais choix. J'ai l'impression de passer un examen. Ah, un examen très spécial. Un examen d'autodafé. Je suis votre professeur d'autodafé, mon cher Daniel. J'occupe une chaire d'autodafé. Daniel, il n'y a plus de cité universitaire. Tu y étais déjà? J'allais arriver, je n'ai plus de logement. Ah ben, vous habiterez ici avec Daniel et moi. Ça vous facilitera la vie. Vraiment? Mais oui, c'est ce qu'on appelle du regroupement familial. Une des mesures sociales préférées du gouvernement d'avant-guerre. Tu veux bien, Daniel? Mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Est-ce qu'on pose ce genre de questions à un homme? D'ailleurs, ce n'est pas à lui qu'il faut le poser, c'est à moi. Je suis chez moi, ici. Guerre ou pas guerre. D'ailleurs, ce n'est pas en tant qu'amoureuse de Daniel, mais en tant que victime de guerre que je vous reçois dans mon appartement. Si ça te dérange, Daniel, j'irai ailleurs. Possible d'être aussi maladroit. Non, en aucune sorte. Je suis ravi que tu viennes vivre avec nous. Un grand adet. Au moins, vous tirez avantage de la situation. Parce que vous, vous avez l'intention d'en tirer avantage? C'est sidérant. Autant elle est bête quand elle parle à son amoureux, autant les futer quand elle me parle. Tirez-en les conclusions qui s'imposent, professeur. Bien. Vous dormirez dans le même lit que Daniel, mon petit. C'est un lit, il y a une place. Tant mieux. Il y fera d'autant plus chaud. Bien entendu, Daniel, c'est pas vous qu'elle aime, c'est votre température. Oh, professeur! Nous n'allons pas nous faire la guerre. Il y a assez de guerres comme ça à l'extérieur, non? J'accepte la paix, à une seule condition. C'est que vous me rendiez Sterpenich. Bon. Parce que, voyez-vous,
je ne laisserai à personne d'autre qu'à moi le privilège de foutre le feu à cet emmerdeur. Petit, j'aimais la neige. Joie et douceur du foyer. La femme lit en attendant le retour de l'homme. On vous ajouterait 20 kilos et vous seriez une vision tout à fait rassurante, Marina. Et la femme se lève et accueille l'homme avec des cris de bonheur. Vous disiez quelque chose, professeur ? Non, rien. Je fantasmais. Que lisez-vous, mon petit ? La cuirasse du prophète. Oh, c'est bien ça de lire Sorloff. Je suis impressionné par votre soif de culture. Vous vous moquez de moi ? Ben, pas du tout, mais une jeune fille maigre et frigorifiée et la détermination de s'initier à une auteur difficile, en dépit des bombardements, je trouve ça sincèrement admirable. Je ne suis pas en train de m'initier à un auteur difficile, professeur. Savez-vous ce que je suis en train de faire ? Je lis chaque phrase avec lenteur et circonspection, et à chaque phrase, je me demande. Y a-t-il, dans ce sujet, ce verbe, ce complément, cet adverbe, y a-t-il quoi que ce soit qui vaille une belle flambée au cœur d'un poil ? Le sens profond, où supposait-elle de cette phrase ? Est-il plus nécessaire à ma vie qu'un degré de plus dans cette pièce ? Tenez, je vous lis une phrase au hasard. Il y avait longtemps que le silence ne lui avait paru aussi suspect. Je n'ai rien à reprocher à cette phrase. Je vois même où se situe sa profondeur. Mais je pose cette question. En quoi ce silence suspect a-t-il plus de valeur qu'une minute de chaleur ? Alors vous savez très bien qu'une phrase tirée de son contexte n'a pas d'intérêt. Je suis prête à la replacer dans son contexte. Émile a écouté les doléances de sa mère, il l'a aidé à se remettre au lit, et il est allé lire le journal à côté en attendant que la pauvre femme s'endorme. Je comprends son sentiment d'impuissance devant les souffrances de sa mère. Je comprends en quoi le silence peut lui paraître suspect. Mais je persiste à ne pas comprendre en quoi ceci vaut plus qu'une minute de chaleur. Vous oubliez le style, Marina. Non ! J'ai bien remarqué que cette succession de sifflantes avait un côté... Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Qui rend le silence encore plus suspect. Bravo, Sorloff.
En quoi ces allitérations vont-elles me faire oublier que je crève de froid? Oh, mais elles ne vous feront pas oublier. Cette histoire se passe en pleine débâcle. Au cours de cet épisode de la dernière guerre, nous étions persuadés qu'il n'y avait plus d'espoir. Vous voyez donc où en est l'intérêt? Oui, c'est un beau message d'espoir pour moi. Mais je vous assure que ce beau message d'espoir ne me réchauffe pas. Enfin, Marina, le but de la littérature n'est pas de vous réchauffer. Ah bon? Alors je me fous de la littérature. Pauvre petite idiote primaire. Si la littérature est assez cynique pour ne pas remarquer que je souffre le martyr, alors je ne vois pas pourquoi je devrais la respecter, moi. Mais vous devenez un véritable animal, Marina. Non, je suis un animal. Mais même les animaux ont le sens de la durée. Ce livre est éternel. S'il devait brûler, sa flambée durerait 2 minutes. Comment peut-on se préoccuper d'éternité? C'était pas mal, l'éternité. Pourquoi? Ça dure longtemps. Et dire que vous avez écrit 15 thèses pour trouver une chose pareille? Oh, les 15 thèses ne m'ont pas servi à comprendre ce qu'était l'éternité. On a le sens de l'éternité ou on ne l'a pas. C'est inné. Il est clair que vous ne l'avez pas ou que vous ne l'avez plus. Et à supposer que je l'ai eu un jour, professeur, j'ai froid. L'éternité ne fait pas le poids devant 2 minutes de chaleur. Évidemment, vous restez immobile pendant des heures. Quand on a froid, on remue, on bouge. Et quelle gesticulation me proposez-vous? Une grande promenade dans la rue, par exemple. Il y fait encore plus froid qu'ici et l'on y reçoit une balle perdue une fois sur deux. C'est pittoresque. Ah, il n'y a pas que les promenades. On peut bouger à l'intérieur aussi. Vous pourriez danser, de votre âge en plus. Danser, toute seule et sans musique. Pourquoi pas? Ce serait le comble de la chorégraphie minimaliste. On vous admirerait en Occident. Après l'éternité, vous invoquez l'Occident. Vous avez le talent de parler de grands machins qui n'existent pas, professeur. Admirable, Marina. Il faut proposer ça au dictionnaire. Occident, grand machin qui n'existe pas, voire éternité. Éternité serait écrit en caractère gras, bien sûr. Oh, pardon. Pourquoi vous excusez-vous? Parler de gras devant vous, c'est de mauvais goût. Autant parler d'une chute d'eau au Sahel. Ne vous gênez pas. Si vous croyez que j'ai envie de graisse, j'ai toujours eu horreur de ça. Moi, je veux du feu, des flammes, je veux que ça brûle. Ah, ben, mon petit, il faudra attendre ce soir. Hein. C'est vous-même qui avez dicté la règle. La flambée quotidienne, c'est 1 heure avant de se coucher. Oui, je sais, mais c'est les 3 heures de l'après-midi et je ne peux plus attendre. Oh, mais le désespoir ne vous réchauffera pas, Marina. Il faut bouger, bouger, bouger. Pourquoi faire? Bouger comme ça, dans le vide, bouger pour bouger. Ben oui, le but, c'est de vous réchauffer. Eh bien, peu importe le mouvement. Je ne sais pas. Il me semble que bouger sans but n'est pas dans la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? C'est ce que les hommes font. Excellent, Marina. Vous me rappelez le doyen de la faculté de mathématiques. À qui on avait demandé, maître, pouvez-vous définir les mathématiques? Il avait répondu, c'est ce que les mathématiciens font. Ma foi, c'est la bonne réponse. Et qu'est-ce que les hommes font, Marina? Les hommes font la guerre. La guerre est dans la nature humaine. L'hérité implacable. Et les femmes? Que font-elles, les femmes? La même chose que les hommes. Vous faites la guerre, vous? Nous la faisons tous, professeur. Et en quoi consiste votre guerre, Marina? Ma guerre est la pire. Elle est pure souffrance. Elle est assommante. Elle ne laisse aucune chance à l'héroïsme, non? Ma guerre consiste à avoir froid. Avez-vous lu Bernanos? Ah, l'étudiante sonde les connaissances du professeur. Je n'enseignais pas la littérature française, mais... j'ai lu Bernanos, oui. Pourquoi? Il a écrit la plus grande vérité du monde, qui tient en une seule phrase. L'enfer, c'est le froid. Oh oui, je ne pense pas qu'il le disait dans le même sens. Peu importe, cette phrase est vraie dans tous les sens. Enfin, une vérité qui n'est pas une vérité de luxe. Je ne supporte plus les vérités de luxe. L'enfer, c'est le froid, eh bien je suis en enfer et il n'y a rien d'autre à dire. Ah oui, mais il y a autre chose à faire. Remuez-vous, Marina! S'il vous faut absolument une raison pour bouger, je puis vous en trouver 100. Regardez comme cette pièce est sale. Prenez-moi un chiffon, un balai, nettoyez-moi ça. Mais puis quoi encore? Je suis pas votre femme de chambre. Mais non, certes. C'était pour vous trouver un prétexte, puisque vous en avez besoin. Oui, un prétexte qui vous arrangerait bien. Mais non, je n'ai pas là. Vous réagissez comme les pauvres. Vous placez votre honneur de manière à en être la victime. C'est normal, j'ai toujours été pauvre. Et les pauvres, quand ils souffrent du froid, ils restent assis sur des chaises sans bouger? Mais oui.
Il faut être riche pour avoir la force de réagir. Parce que les pauvres ont froid, ils font comme les moineaux. Ils gonflent leurs plumes comme pour se terrir leur propre chaleur, et ils ne bougent plus. Je vous trouve bien maigre pour quelqu'un qui gonfle ses plumes. C'est parce que j'ai plus beaucoup de plumes. Oui, aussi, la stratégie du moineau ne vous convient-elle pas? Allez, venez. Ah, où ça? Vous disiez que vous ne vouliez pas danser seul, alors dansez avec moi. C'est grotesque. Je vous remercie. Il n'y a pas de musique. À la guerre comme à la guerre. Voilà, je suis sûr que vous avez moins froid maintenant. Vous n'avez pas honte? Au contraire, je vous ai réchauffé. Vous m'avez pas réchauffé, vous m'avez glacé. Le ridicule, ça donne froid. C'est vous qui êtes ridicule. Quel personnage êtes-vous en train de me jouer? La Vierge effarouchée? En quoi ai-je sali votre incomparable petit corps? Vous imaginez que je vous désire? Désolé de vous décevoir, je ne vous désire pas du tout. Vous êtes trop maigre pour susciter le désir. Qui vous parle de désir, professeur? Oui, Marina. Vous savez très bien, dès qu'il y a un homme et une femme en tête à tête dans une pièce, les gens ne pensent qu'à ça. Les gens? Mais les gens n'ont rien dit, et pour cause. Il n'y a personne à part vous et moi. C'est vous qui avez parlé de désir. Oui, c'est ça, Marina. Ne tirez pas avantage de la situation. Je ne vois vraiment pas quel avantage je pourrais tirer de cette situation. Oui, c'est ça, faites l'innocente. Ça va bien avec votre genre de beauté. Quand vous jouez. Mais vous êtes folle! J'ai froid! Ouais, ben on le saura! Non, on ne le sait pas! Si on savait combien c'est horrible, on serait déjà venu me réchauffer! Si vous aviez la moindre idée de ce que j'endure, vous brûleriez tous vos livres à l'instant! C'est parce que vous ne savez pas, c'est parce que personne ne sait personne! Personne ne laisserait quelqu'un souffrir comme je souffre! Ouais, vous figurez que vous êtes la seule! Je ne sais pas, et peu m'importe! Je suis un enfer. 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 Oh, mais vous allez arrêter, espèce de furie. Pourquoi devrais-je m'arrêter? De toute façon, personne ne m'entend. Précisément parce que personne ne vous entend. Et alors? Ça ne dérange personne? Ça me dérange, moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? J'ai horreur des femmes qui posent des crises hystériques. Le pauvre homme! Devoir subir les cris d'une folle! Quel sort pitoyable que le vôtre! Ben voilà qui pleure à présent. Vous croyez que ça sert à quelque chose? Pleurer, ça sert à pleurer. Et puis ça réchauffe. Avez-vous remarqué, professeur, que les larmes sont toujours chaudes? C'est bizarre. Et pourquoi les larmes sont-elles chaudes? D'où vient cette chaleur? Elle ne peut venir que de mon corps, pourtant tout est froid en moi. Pourquoi la nature a-t-elle voulu que les larmes soient chaudes? On nage en pleine métaphysique. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que les larmes soient chaudes? Je ne vous parle pas de Dieu. Mais c'est bien que les larmes soient chaudes. C'est bon. Ça me rappelle les douches brûlantes que je prenais avant la guerre. Ces douches qui embuaient la salle de bain. Oh, je donnerais tout. Tout et plus encore pour une bonne douche fumante. Tout et plus encore? On se demande bien ce que vous auriez à donner, mon petit. À part les vêtements que vous portez, vous ne possédez rien. Et qui voudrait de vos vêtements?
et je ne me séparerai pas de mes vêtements pour un empire. Ben c'est tant mieux, on vous en propose pas. Pourquoi êtes-vous toujours si dur avec moi, professeur? Je suis pas dur avec vous. J'essaie seulement de vous mettre un peu de plomb dans la cervelle. Autour de la ville, je connais beaucoup de barbares qui pourraient s'en charger. Ah, c'est pas drôle ça, Marina. Pourquoi ne pas mourir, professeur? C'est pas facile de mourir. Mais si. Vous savez comment ils font les gens quand ils veulent mourir? Ils mettent leurs plus beaux vêtements et ils vont se balader au milieu de la grande place. Jusqu'à ce qu'un barbare les tue. Ouais, mais vous n'avez pas de beaux vêtements, Marina. Je crois que ce détail ne dérangerait pas beaucoup les barbares. Mais moi, ça me dérangerait. Ça vous dérangerait que je meure avec de vilains vêtements? Ça me dérangerait que vous mouriez. Pourquoi? Vous ne devriez plus brûler vos chers livres. Vous seriez enfin tranquille. Je vous aime bien, Marina. Alors, si vous m'aimez bien, vous devez vouloir que je me sente mieux. Ouais, je vous vois venir. Je veux que vous vous sentiez mieux, mais si on brûle tous les livres trop vite, avec quoi ferons-nous du feu demain? Demain, nous serons morts. Bah, ce n'est pas sûr. Ne suffit-il pas que cette possibilité existe? Non. Si! Imaginez qu'une bombe nous tue ce soir. Tous les livres seraient détruits en même temps que nous, pour rien. Quel gaspillage! Et imaginez qu'aucune bombe ne nous tue ce soir, et que demain, nous n'ayons plus aucun livre pour les avoir tous brûlés. Ce serait affreux, non? Non! D'abord parce qu'il y aurait eu une flambée sublime, de la chaleur pendant au moins 2 heures. Et ensuite, parce que je n'aurais plus aucune rage à l'idée de mourir. Voyez-vous, professeur, ce qui me rend malade depuis que je vis ici, c'est qu'on pourrait me tuer avant d'avoir brûlé le dernier livre. Eh bien, raison de plus pour que je les économise. Je ne veux pas que vous vous suicidiez, Marina. Ah, mais à présent, j'ai bien compris. Quand on aura brûlé le dernier livre, vous irez vous promener sur la grande place. Et en quoi ma vie vous est-elle nécessaire? Mais c'est à vous qu'elle est nécessaire. Ah, pourquoi faire? Vous avez vu à quoi je passe mes journées. Je vous assure qu'avec ce froid, je serai incapable de faire autre chose. Marina... On ne peut pas exclure l'hypothèse que la guerre se termine un jour. Et que vous soyez encore en vie à ce moment-là. Bon, c'est vrai. Je reconnais que les chances sont minces, mais... Pour parler votre langage, ne suffit-il pas que cette possibilité existe? J'y ai pensé. Eh bien? Eh bien, je m'arrangerai pour avoir toujours chaud, mais je ne ferai rien de ma vie. À cause de cette guerre, je n'aurai jamais envie de construire quoi que ce soit. Ce qui me fait rêver, c'est la chaleur, c'est pas la vie. Comment pourrais-je encore tenir à la vie depuis que je connais sa vraie nature? Oh, sa vraie nature. Comme si vous la connaissiez. Mais professeur, je n'ai envie de rien à part d'avoir chaud. Ben évidemment. Et quand vous aurez chaud, vous aurez envie de 1000 choses. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des besoins. Et dites-moi donc ce que je ferai de ma vie. Finirez vos études. Exactement. Vous vous marierez, vous aurez des enfants. De mieux en mieux. Toutes les femmes font ça. Quel argument éblouissant! Et alors, vous vous croyez différente des autres? Je ne sais pas. Mais à supposer que cette guerre se termine un jour, je ne peux pas imaginer qu'une femme puisse encore vouloir mettre un enfant au monde. Mais ça n'a aucun sens de dire ça maintenant. Avant la guerre, quelle était votre ambition? Tomber amoureuse. Eh bien, soyez heureuse, c'est arrivé! Alléluia! Et vous vouliez avoir des enfants, non? Oh, je suis incapable de m'en souvenir! Mais peu importe ce que je désirais avant la guerre! Une chose est sûre, je ne serai plus jamais comme j'étais avant la guerre. Ah, ça, c'est pas sûr. Ça l'est. Ce serait ignoble que quiconque puisse redevenir comme avant. C'est pourtant ce qui se passera. C'est ce qui se passe après toutes les guerres. Il y a raison de plus pour que je ne vive pas. Ça me rendrait malade de voir ça. Ben non, vous dites ça maintenant parce que vous avez 20 ans, parce que vous êtes maigre et en mauvaise santé. Quand vous serez une matrone bien replète, vous trouverez tout ça très bien. C'est abominable ce que vous dites, professeur. C'est ce qu'on appelle la vie, mon petit. Mais si c'est ça, je ne veux pas la connaître. Mais si, vous voulez la connaître. Plutôt crever, oui. Non! Non! Pourquoi non? Mais parce que je ne vous aime pas. Il vous parle d'amour. Moi?
suis amoureuse de Daniel. C'est pas vrai. Si vous étiez amoureuse de Daniel, vous voudriez vivre. Est-ce que vous y connaissez quelque chose à l'amour, vous? Et vous? Je suis sûre de savoir ce que c'est. Moi, je suis sûre de savoir ce que c'est. Vous êtes prétentieuse comme les gamines de votre âge. Vous seriez grotesque si vous n'étiez pas si touchante. Je croyais que j'étais trop maigre pour être désirable. En effet. Curieusement, je ne vous en désire que plus. Eh bien, moi, je ne vous désire pas. Oh, vous ne direz pas ça quand vous serez dans mes bras. Je n'y serai pas. La guerre ne vous a-t-elle pas appris le droit du plus fort? Vous êtes chez moi. Et vous avez trop froid pour partir. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'échappatoire. Bon. Après tout, j'aurais bien tort de refuser. Il n'y a rien de tel pour se réchauffer. Et cette cynique se prétend amoureuse. Je suis amoureuse. Ce que vous allez me faire n'a rien à voir. Ah oui. Monsieur, vous aurez mon corps, vous n'aurez pas mon âme, n'est-ce pas? Je me fiche de ce que vous aurez. Moi, j'aurai chaud et c'est ce qui compte. Il me tarde d'être entre vos bras pour sentir la chaleur de votre corps. Ce n'est pas vous qui abuserez de moi. C'est moi qui abuserai de vous. Vous allez abuser de moi? Et comment comptez-vous vous y prendre? Je me laisserai faire. Vous verrez, ça commencera à me plaire dès la première seconde. Et ce sera pour de vrai. Mais ce ne sera pas pour la raison que vous imaginez. Voyez-vous, professeur, à l'instant où vos bras se refermeront sur moi, je cesserai d'avoir froid parce que votre ventre sera tiède. Vous êtes plus chaud? Vous êtes plus chaud que moi, c'est la seule compte. Vous me ferez l'effet d'être brûlant et je recueillerai votre température partout où il y a de la chair sur moi. Il y a de la chair, c'est fou. On peut jouir avec sa peau. Il y a même des jours où je me dis qu'on peut jouir avec n'importe quoi. N'importe quoi, c'est moi? C'est peut-être vous, oui. Pourvu que je vous méprise. Et sur ce point, n'ayez aucune crainte. Mon visage sera celui du plaisir. Mon corps s'abandonnera. Et vous croirez que vous êtes un bon amant. Mais pour moi, vous ne serez rien d'autre qu'une bouillotte. Et à supposer que vous soyez un bon amant, l'emprise de la chaleur l'emportera tellement sur les autres sensations que je ne les remarquerai même pas. Pourquoi reculez-vous, professeur? Vous n'avez plus envie de moi? Vous avez donc froid à ce coin? C'est maintenant que vous le remarquez? C'est maintenant que j'en mesure les conséquences. Vous êtes devenue monstrueuse. Je ne suis plus jolie. Vous êtes belle. Vous êtes démoniaque. Depuis le temps que je suis en enfer, comment ne serais-je pas devenue démoniaque? L'enfer, c'est le froid. Et si vous saviez combien le froid s'est installé au fond de moi? Un corps glacé, ça n'a qu'une seule idée. Trouver quelque chose de chaud, n'importe quoi, et de s'y agripper, lui absorber sa chaleur, la lui prendre. C'est quelques degrés qui ont creusé un tel gouffre entre vous et moi, qui font de vous un être humain et de moi un animal en enfer! Je vous les arracherai. Et vous verrez ce que ce sera alors! Non! Quoi, non? Vous n'avez plus envie? Si. Mais les quelques degrés qui me séparent de vous me font dire non, je ne vous veux pas comme ça. Quelle est cette vertu soudaine? Mais ça n'a rien à voir avec la vertu. Laissez-moi deviner. Vous vouliez que ce soit vous le méchant, n'est-ce pas? Et vous vouliez que ce soit moi la victime? Le problème, c'est que je n'ai pas du tout envie d'être la victime. Et que j'ai même très envie d'être la méchante. Et c'est ça qui vous déplaît. Eh bien, si ça vous déplaît, moi, ça me plaît encore plus. Non, Marina. Faites comme Daniel, votre bien-aimé. Allez à l'université et collez-vous aux tuyaux de la bibliothèque facultaire. Pourquoi irais-je me coller à des tuyaux alors que je peux vous avoir le long de mon ventre? Les tuyaux seront chauds plus longtemps. Oui, mais les tuyaux n'iront pas en enfer. Et moi, j'ai besoin que vous alliez en enfer. Je n'aurai vraiment chaud que lorsque vous aurez froid comme j'ai froid. J'ai besoin que vous soyez humiliée de m'avoir méprisée. Je n'aurais jamais cru que vous étiez comme ça. Moi non plus. Mais quelle satisfaction obscure, trouvez-moi ce petit jeu, Marina! Je ne sais pas. Mais je me comprends.
Et vous, professeur? À quelle fascination obscure allez-vous succomber? Lorsque vos bras se refermeront sur moi? Je ne sais pas. Je comprends pas. C'est normal. Vous n'avez pas encore l'habitude de l'enfer. Professeur, ne dormez pas. Foutez-moi la paix. Mais c'est vous qui m'avez ordonné de vous réveiller si vous vous endormiez. Depuis quand vous obéissez quand je vous donne des ordres? Depuis que je les trouve sensés. C'était pas des ordres sensés, c'était du plagiat. Dans Fahrenheit 451... les gens apprennent les livres par cœur parce que le gouvernement va détruire tout ce qui est écrit. C'est beau, mais c'est insane. Comment voulez-vous apprendre Klebetingen par cœur? Les aèdes récitaient l'Iliade et l'Odyssée sur le bout des doigts. Ouais. Ces gens-là ne devaient pas passer les trois quarts de leur temps à écrire des thèses. Ils avaient le loisir d'apprendre des livres entiers par cœur. Professeur, je ne dis pas que c'est facile. Et nous ne les saurons peut-être pas par cœur, c'est certain. Mais je vous rappelle ce que vous-même vous affirmiez hier. Quand des livres n'en ont plus que pour quelques jours à vivre, il faut en jouir jusqu'au bout. Ah, mais de là à lire toute la nuit, sans interruption. Ah, c'était votre consigne. Et pourquoi accordez-vous du crédit aux paroles d'un bonhomme qui dévolue Blatec devant ses étudiants et qui s'en régale quand il est seul? Il n'y a pas de quoi en avoir honte. C'est une attitude tellement ordinaire. Mais précisément. Ne pensez-vous pas que l'on était en droit d'attendre mieux de ma part? Non. Ah bon? Eh bien, au moins, comme ça, tout est clair. Professeur, je vous assure que vous pourriez trouver meilleur emploi pour votre orgueil. Comme? Comme lire et relire le Klebetingen que vous avez en main, aussi longtemps que nous ne l'aurons pas brûlé. Vous donnez une furieuse envie de le brûler tout de suite. Professeur, ce livre s'appelle L'honneur de l'horreur. Vous lui avez consacré un article il y a 8 ans. Vous rappelez-vous ce qui y avait écrit dans l'article? Moi, je m'en souviens. Je sais. J'ai écrit, après avoir lu L'honneur de l'horreur, plus aucun être humain ne pourra jamais faire fi de sa dignité. Eh bien, ne pensez-vous pas que le moment est venu de mettre en pratique ces belles paroles? Non. Je crois que le moment est venu de rire de ces belles paroles. Et de brûler Klebetingen. Je vais vous dire. L'honneur de l'horreur a été écrit par quelqu'un qui n'avait pas faim.
Et mon article d'il y a 8 ans sur l'honneur de l'horreur a été écrit par quelqu'un qui n'avait pas froid. Alors au feu. Professeur, c'est injuste! Avec un argument pareil, vous pouvez mettre le feu à toute votre bibliothèque! Ah mais... c'est ce que nous sommes en train de faire, mon petit Daniel. Vous n'avez pas remarqué? On dirait que ça vous rend heureux. Heureux? Non. Hilar, oui. Brûler ces livres que j'ai décortiqués pendant 10 ans, puis encensés pendant 20 ans, ça me fait rigoler. L'évêque Rémy baptisait Clovis en disant « Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé ». Cette phrase m'a toujours fasciné. Elle est devenue mon emploi du temps. Si au moins vous aviez l'air d'adorer ce que vous avez brûlé, mais vous semblez n'en avoir aucun regret, et même y prendre plaisir. Ça se voit tant que ça. Il serait difficile de ne pas s'en rendre compte. Ah oui, c'est délicieux chez moi, parce que je ne peux rien cacher. Je suis une fraîcheur. En fait, votre attitude depuis le début de cet hiver est le contraire de ce que je vous ai entendu dire depuis 12 ans. Vous me connaissez depuis 12 ans? Eh oui. J'avais 18 ans quand je vous ai découvert. Vos paroles me semblaient contenir la somme de l'intelligence humaine. Quand je vous écoutais, j'étais fier d'être humain. J'avais envie de hurler de joie. Maintenant, il y en a honte. Pas vous. Si, mais ça m'est égal d'avoir honte. Je suis comme Marina. À part avoir chaud, plus rien ne m'importe. Pomme chaud, comme on disait un ancien français. Marina n'est pas comme ça. Que savez-vous de Marina, Daniel? Une chose est certaine, c'est que je la connais mieux que vous ne la connaissez. Ah. La grande différence entre elle et vous, c'est qu'elle souffre d'être un animal. Vous, ça vous est égal. Oh oui, la pauvre enfant, elle souffre. Oui, elle souffre. Si vous éprouvez du plaisir à vous salir, vous, moi, je m'en fous. Mais n'essayez pas de la salir, elle. Comme il est romanesque. C'est merveilleux. À propos de roman, il reste 8 livres ici, plus les 2 que nous lisons, et il nous reste 10 livres, professeur. Nous pouvons presque répondre à la fameuse question, quel est le livre que vous garderiez? Quels sont ces 10 livres? Eh bien, il nous reste en magasin Le mythe du sultan d'Aubernac, La poupée parle, Sois crissante, d'Esperandio, En finir, de Fastoli. La tétralogie de Faternis, comme par hasard. Quoi, comme par hasard? Oui, comme par hasard. C'est le seul auteur dont nous n'ayons rien brûlé, et comme par hasard, c'est le seul auteur dont nous n'ayons... celui auquel vous avez consacré votre thèse de doctorat. Mais c'est ce qu'on appelle le privilège de l'âge, mon petit. Oui. Entre-temps, j'ai relu le premier livre de cette tétralogie. Le liquide. Et quand je pense que nous avons brûlé hier soir, stupéfaction de Salbonatus, je suis révolté. Franchement, le liquide n'arrive pas à la cheville de stupéfaction. Mais je ne suis pas de votre avis. Et je vous rappelle que le chef, c'est moi. Vrai. Cela dit, brûler un livre appelé le liquide, je reconnais que ça ne manquerait pas de sel. Vous le brûlerez ce soir, mon petit Daniel. Vous voyez, je suis un chef très gentil. Bah non, alors. Le liquide n'est peut-être pas un roman très fameux. Mais vous savez très bien que c'est pas le plus mauvais de ce qui nous reste. Ça va pas recommencer, Daniel. Eh bien si, ça recommence. Et ça recommencera chaque fois, si longtemps que nous n'aurons pas foutu le feu à cette nullité. Le bal de l'observatoire n'est pas une nullité. Je vous rappelle que le chef, c'est moi. Oh, quel argument noble! C'est pas un argument. C'est la raison du plus fort. Justement. En dehors de l'université, il y a tout lieu de penser que je suis plus fort que vous. Ah, mais on n'est jamais en dehors de l'université. C'est une religion. Même quand le temple est détruit. Ah, vous exagérez. La bibliothèque facultaire qui est souterraine tient toujours. Vous pourrez aller relire vos livres favoris en vous vautrant contre les tuyaux. Oh, eh bien, brûlons le bal de l'observatoire, comme ça vous aussi, vous irez le relire à l'université. Ah, c'est impossible.
Je ne peux pas lire ce livre en public après tout le mal que j'en ai dit. Ah, et devant moi, ça ne vous gêne pas? Non. Je pars du principe que tout assistant considère son prof comme une imbécile. Alors, je vois pas. Oh, vous me stupéfiez. J'ai toujours pensé que c'était le contraire. Que tout professeur considérait son assistant comme un imbécile. Mais c'est aussi la vérité. Le tiers exclu n'est pas valable en psychologie, comme vous le savez. Et c'est l'un des charmes des relations entre assistants et professeurs que ce mépris réciproque, déguisé en respect admiratif. Quand même. Expliquez-moi comment un être aussi cynique et désabusé que vous peut vouer un culte au bal de l'Observatoire. Parce que, avant d'être cynique et désabusé, je suis un intellectuel, c'est-à-dire un être qui attend passionnément qu'on le contredise. Alors si un écrivain aussi intelligent que Blatek essaie de me convaincre que l'amour juvénile n'est pas une niaiserie surfaite, eh bien moi ça me met en joie, voilà. Bon, en ce cas, pourquoi vous acharnez-vous à répéter à vos étudiants que ce roman est petit bourgeois à pleurer? Mais parce que c'est vrai aussi. Mais quand c'est la guerre, quand on crève de faim, de froid, quand on voit les gens mourir comme des mouches autour de soi, on se dit que être petit bourgeois, finalement, c'est pas si mal. Vous entendre proférer une pareille abomination. Oui, vraiment, on a perdu la guerre. Oh là là. Pas de délire de pureté, voulez-vous? Après tout, ce qu'était petit bourgeois, c'était ma lecture du bal de l'Observatoire. Le roman lui-même ne l'est pas. C'est une magnifique histoire d'amour entre deux adolescents. Vous me faites bien rigoler. Je vous vois déjà devant vos étudiants dire « Je m'étais trompé !» Ce roman n'est pas bourgeois, c'est une magnifique histoire d'amour entre deux adolescents. Mais ça n'a aucun risque que ça se produise, n'est-ce pas? Vous tenez trop à votre dignité pour avouer une chose pareille. Mais j'ai raison. Le professeur a tant de mal à avoir un peu de crédibilité aux yeux de ses étudiants, une pareille confession me la ferait perdre. Oui, et puis c'est si confortable de continuer à salir la réputation d'un livre. Aucun risque que le bouquin se venge. C'est ça qui est bien avec la littérature. On peut tout se permettre. Vous me dégoûtez, professeur. Là, vous n'avez qu'à l'apporter vous-même, ce démenti, si votre sacro-sainte conscience vous l'ordonne. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dire à vos étudiants que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous trouvez ce roman fabuleux? Ce qui m'en empêche, la vérité, tout simplement. Moi, je n'aime pas ce livre, je n'ai pas eu besoin de votre avis pour ne pas l'aimer. Et que reprochez-vous au bal de l'Observatoire? Oh, c'est d'une niaiserie. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, tout! Ah non. Ah non. C'est trop facile, ça. Des détails, je vous prie. Donnez-moi des détails qui soient critiquables. Je sais pas, moi. Leur première rencontre au concours d'improvisation. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à cette première rencontre? Elle n'est pas plus naïve que votre première rencontre avec Marina, figurez-vous. Mais quel procès êtes-vous en train de me faire? Nous ne sommes pas en train de parler de la réalité. Que notre vie n'ait aucune valeur artistique, c'est très possible. En raison de plus pour que la littérature en ait une. Ça vous arrange bien, n'est-ce pas? Votre vie peut être médiocre, puisque la littérature en compensera. Ma vie est certainement moins médiocre que la vôtre. Qu'en savez-vous? Vous êtes aveugle, Daniel. Tant quand il s'agit de juger ma vie, que quand il s'agit de juger cette première rencontre. Le jeune homme et la jeune fille se retrouvent sur le ring. Il faut préciser que le concours d'improvisation a lieu dans une salle de boxe. N'oubliez pas qu'ils ne se sont jamais vus. Ils se découvrent. Ils sont beaux. Ils ont 16 ans. Ils se découvrent sur un ring de boxe. N'est-ce pas magnifique? Vous êtes touchant, professeur. Ah, si vous n'étiez pas hypocrite, vous diriez comme moi. Je vous rappelle que le plus hypocrite de nous deux, c'est vous. Au moins, je ne suis pas hypocrite envers moi-même. C'est le plus important. Allez, soyez sincères pour une fois. Avouez que l'idée est superbe. Le sujet qu'on leur propose est la lutte de Jacob avec l'ange. Mais
Comme ni Larissa ni Jaromil l'homme de culture chrétienne, ils ne savent pas ce que c'est. Aussi, doivent-ils tout le moins improviser? Avouez que c'est bouleversant. Là, je vous rends lyrique, professeur. Ah, riez. Vous ne savez pas de quoi votre ironie vous prive. Si vous aviez une once de simplicité, vous reconnaîtriez que cette scène vous fait rêver, que vous auriez tout donné pour être Larissa ou Jaromil le jour de leur première rencontre. Mais enfin, la littérature, ce n'est pas ça. On ne lit pas le Quatuor d'Alexandrie parce qu'on a envie d'être Justine ou Darley. On lit pour découvrir une vision du monde. Mais avouez que celle de Platec est indigente. Ah, et c'est vous qui me trouvez touchant, mon petit Daniel. Ah, aucune niaiserie n'arrive à la cheville de la niaiserie universitaire. Espèce de grand dadais. Vous n'avez pas remarqué que c'est la guerre? Depuis des millénaires, les plus beaux esprits ont écrit les plus nobles visions du monde dans les livres les plus admirables. Avez-vous l'impression que leurs idées ont servi à quelque chose? Là n'est pas la question. Et où est-elle alors la question? À quoi ça sert d'exposer une vision du monde si le monde s'en fout? Eh bien, c'est à nous d'éduquer les lecteurs afin que la littérature ne soit plus inutile. Éduquer un lecteur? Mais comme si on pouvait éduquer un lecteur. Vous n'êtes plus assez jeune pour proférer de pareilles bêtises. Les gens sont les mêmes dans la lecture comme dans la vie. Égoïstes, avides de plaisir et inéducables. Et il n'appartient pas à l'écrivain de se lamenter sur la médiocrité de ses lecteurs, mais de les prendre tels qu'ils sont. Tu t'imagines qu'il va pouvoir les changer. S'il peut, malgré la guerre, s'imaginer une chose pareille, eh bien c'est lui qui est un romantique et imbécile, et non celui qui a mis en Blatec. Quand vous auriez raison, vos torts n'en seraient que plus grands, puisque vous avez passé 20 années à enseigner le contraire. Ah mais... Il n'y a eu que les petits premiers de la classe comme vous pour me croire, Daniel. Les autres auront eu la sagesse naturelle de prendre le contre-pied de ce que je leur disais. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants se délectent à lire le bal de l'Observatoire, précisément parce que j'en ai dit du mal en cours. Je n'ai jamais vu blanchir sa conscience avec autant de sérénité. Ah oui, je sais, c'est très élégant d'avoir mauvaise conscience aujourd'hui. Mais sincèrement, quand je vois ce qui se passe autour de nous, je me dis que mes vicissitudes sont bien peu de choses. On dirait que vous le regrettez. Peut-être. Se rendre compte que sa vie n'aura servi à rien. Pas même à nuire. Vous voyez. J'ai encore envie de relire Blatec. Il n'y a aucun argument qui tienne face au désir. C'est ce que vous devriez comprendre. Moi, je vous assure que je n'ai aucune envie de relire le bal de l'Observatoire. Mais est-ce possible? Mais de quelle chair êtes-vous fait? Si la première scène vous laisse de glace, vous ne pouvez être indifférent à la scène du bal lui-même. En effet, je n'y suis pas indifférent, puisque je la trouve du dernier mauvais goût. Oh, du dernier mauvais goût, vous devez raisonner. Un professeur, un quinquagénaire qui séduit une jeune fille de 16 ans, c'est à la fois tellement convenu et tellement dégoûtant. Mais pas du tout, c'est vieux comme le monde. Raison de plus pour que ce soit convenu et dégoûtant. Mais pourquoi jouez-vous toujours les moralisateurs? C'est l'esthétique de cette scène qui devrait vous émouvoir. Un quinquagénaire qui séduit une jeune fille de 16 ans, je ne trouve pas ça esthétique, moi. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez contre les quinquagénaires? À votre avis? Bon. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous m'avez appris il y a quelques minutes que tout professeur considère son assistant comme un imbécile. J'en conclus que vous me considérez comme un imbécile. Peut-être ne devriez-vous cependant pas me croire béat au point de n'avoir pas compris ce qui s'était passé entre vous et Marina. Non, je vois pas à quoi vous faites allusion. Oh, ne niez pas! Je vous ai vu, figurez-vous. Un jour où je suis rentré plus tôt, ni elle ni vous ne vous êtes aperçus de rien. Vous avez l'intention de me tuer? Si ce n'était pas la guerre, je l'aurais peut-être déjà fait! Mais en ce moment, le procédé me paraît trop commun. Quelle attitude allez-vous adopter alors? Celle qui est la mienne depuis 2 semaines. Vous regardez avec dégoût. Et elle? Elle ne vous dégoûte pas? Je ne l'ai pas violée, si c'est ce que vous supposez. Ce n'est pas sa chair à elle que je trouve dégoûtante. Ah, écoutez, on ne vous demande pas de me trouver à votre goût, hein. Il ne manquerait plus que ça! Mais enfin, chez moi quand même! Quel argument admirable! Ah, et puis merde, c'est la guerre! Alors ça, non!
C'est devenu votre tarte à la crème. Quoi que l'on vous dise, vous rétorquez, c'est la guerre. On vous reproche de brûler des chefs-d'œuvre. Vous rétorquez, c'est la guerre. On vous reproche d'encenser des romans de gare. Vous rétorquez, c'est la guerre. On vous reproche de séduire la fiancée de votre assistant. Vous rétorquez, c'est la guerre. Mais le fait est que c'est la guerre. Et en quoi ceci vous excuse-t-il? Les lois ne sont plus les mêmes en temps de guerre, pour le cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est ça. Et vous voudriez me faire croire qu'en temps de paix, vous étiez un enfant de cœur. Ah, en temps de paix, j'avais mieux à séduire que vos tourterelles. Ah, et puis si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller loger ailleurs, vous et votre... Votre quoi? Votre allumeuse de bas étage. Mais vous ne trouvez pas assez répugnant comme ça, il faut en plus que vous la soutiez. Et vous ne trouvez pas assez concu comme ça, il faut en plus que vous la défendiez. Arrête! Il y a assez de violence comme ça en ce moment, laisse-le dire. Je ne sais pas si tu es si bien placé que ça pour me donner des leçons. Je n'ai pas de leçons à te donner, je suis en tort et je ne cherche pas à me défendre. Je viens de voir 3 personnes se faire massacrer dans la rue et ça me suffit pour aujourd'hui. Oh, ne t'inquiète pas ma chérie. Tu oublieras cette vision d'horreur dans les bras de cet homme vénérable qui pourrait être ton père. Ça ne me fait rien oublier du tout si ça peut te rassurer. Alors pourquoi le fais-tu alors? Parce que ça me réchauffe, uniquement pour ça. Mais tu n'as pas honte de dire des horreurs pareilles? Arrête! Je ne fais plus de sermons. Il ne veut plus entendre quoi que ce soit qui ressemble à un discours moralisateur. Ouais, c'est ce que je lui disais il y a 5 minutes à peine, Marina. Mais rendez-vous compte! Où suis-je tombé? Entre un type qui se permet tout parce que c'est la guerre! Et une fille qui se permet tout parce qu'elle a froid! Eh bien, il se trouve que c'est la guerre et il se trouve que j'ai froid! Mais ça aussi, je lui ai dit, Marina, elle est en train de nous faire une crise de pureté. Vous taisez-vous! Quand on a voué un culte au bal de l'observatoire toute sa vie, on n'a pas voix au chapitre! Moi, j'aime ce livre! Je ne veux pas qu'on le brûle. C'est vrai, c'est la meilleure, vous voyez, Daniel. Il n'y a pas que les plus dégoûtants qui sont de mon avis. Tu aimes ce livre? C'est beau. C'est si beau. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? Surtout la dernière scène. Celle du bal. Ah oui, celle où le quinquagénaire séduit la jeune fille de 16 ans. Évidemment, ça doit te rappeler de beaux souvenirs. Non, ne crois pas ça. Avec le professeur, ce fut abominable. Merci. Mais dans le livre, ça se passe à l'observatoire et c'est si beau. Oh, c'est l'observatoire que tu trouves beau. Non, c'est tout. À commencer par l'écriture qui est si belle. C'est ce langage de séduction qu'ils se renvoient l'un à l'autre comme une balle en soie. On croirait Ève parlant au serpent. C'est subtil. C'est à la fois divin et diabolique. C'est beau comme une lutte entre l'ange et la bête. Arrête! Tu as lutté avec la bête. Tu es mieux placé que personne pour savoir combien c'est laid. Tu viens de le dire, d'ailleurs. Mais non, Daniel! Dans la réalité, je n'avais rien d'un ange, tu sais. Ça, je peux vous le garantir. Si tu pouvais savoir combien elle a été hideuse ce moment-là avec le professeur, tu comprendrais combien j'ai besoin de la beauté de ce livre. J'ai tellement, tellement besoin qu'il existe encore quelque chose de beau sur cette terre. Lamentable. Un livre, ce n'est pas un bibelot que l'on contemple pour se consoler du monde, Marina. Ah non. Et qu'est-ce d'autre, alors? Un livre, c'est un détonateur qui sert à faire réagir les gens. Ah, mais si c'était vrai, les gens auraient réagi, et tu vois bien qu'ils ne réagissent pas. Je me tue à le lui répéter, Marina. Bah vous taisez-vous! Une fois pour toutes, vous êtes un exemple pour personne! Et vous n'avez rien à enseigner à qui que ce soit! Oh bon? Tu dois comprendre, Marina, que si tu penses vraiment ce que tu viens de dire, alors la guerre est perdue. Non, elle est perdue, Daniel! Et cesse de tenir ce langage d'espoir et d'honneur! C'est trop cynique de parler comme ça quand la guerre est perdue! Tu préférerais sans doute que je me déshonore comme tu le fais? Toujours tes grands mots. Je ne me déshonore pas. À ma place, tu en feras autant. Tu n'en sais rien parce qu'on ne te l'a pas proposé. C'est peut-être que tu regrettes au fond. On ne te l'a pas proposé. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oh, écoute, je suis jeune et belle. Je sais très bien que si j'étais vieille et laide, je n'aurais aucun moyen de me réchauffer. Avoir un corps chaud contre moi est devenu l'une de mes conditions de survie. Alors ne me dis pas que la guerre n'est pas perdue! Ça te fait plaisir, n'est-ce pas, de dire des horreurs pareilles? Oui! C'est le dernier plaisir qu'il me reste! Mon Dieu! Et dire que j'ai pu être amoureuse de toi! Et dire que j'ai pu être émue par tes petits airs angéliques! Oh, mes enfants, je suis sûr que vous vous réchauffez beaucoup en vous livrant à ce charmant petit corps à corps. Mais je trouve quand même regrettable que vous manquiez la chaleur de cette belle flambée littéraire. Il a voulu brûler tous les livres. À tous. Il en reste un.
Je vous laisse deviner lequel. Le bal de l'Observatoire. Bien vu, mon enfant. J'attendais votre avis pour savoir quels sont lui réservés. Oh non, professeur, je vous en prie, ne le brûlez pas. Je ne sais pas. C'est un beau livre, mais... Que peut-il pour nous, Marina? Il est la seule beauté qui nous reste. Il est ce qui peut nous faire oublier la guerre. Oh, il ne vous fera pas longtemps oublier la guerre. Peu importe, professeur. Nous n'en avons plus pour longtemps non plus, mais... Que ce livre dure jusqu'à notre mort. Oh, mais je n'aime pas vous voir si idéaliste tout à coup. Vous vautrez avec moi comme une bête, et dès qu'il est question de ce bouquin, vous parlez avec le feu sacré, comme une sainte. Vous allez me le faire prendre en grippe, ce roman. Soyez pas jaloux d'un livre, allons. Bon. Alors dites que vous êtes une bête. Je suis une bête. Dites que vous n'avez plus rien d'humain. Je n'ai plus rien d'humain. En ce cas, ça vous est égal que je le détruise, ce livre. Non, ça ne m'est pas égal. Alors vous avez menti. Vous n'êtes pas encore tout à fait animal. Il vous reste une seule chose humaine. C'est ce livre. Et pour vous punir d'avoir menti, voilà le sort que je réserve à votre dernière parcelle d'humanité. Non ! Je ne veux plus jamais vous voir. Mais non, ne partez pas. Profitez au moins de cette belle flambée. Mon Dieu, quelle est sotte cette petite. Allez, je suis tout de même rassuré. Elle est moins monstrueuse que vous. Ah. À l'impossible, nul n'est tenu. Je me demande ce qu'elle a bien pu aller faire dehors. Comment, vous ne le savez pas? Vous le savez, vous? Oui. Elle m'a toujours dit que lorsqu'il n'y aurait plus de livres à brûler, elle irait se promener au milieu de la grande place. Il paraît que c'est le nouveau suicide à la mode. Quoi? Marina! Marina! Et voilà comment profiter tout seul d'une belle flambée. Devenu agaçant, ces deux petits gosses. Après, il me restera une chaise à brûler. Et puis l'autre. Et enfin... Quand il n'y aura plus rien, plus aucun combustible, j'irai rejoindre leurs deux cadavres sur la grande place et je me promènerai moi aussi, le temps qu'il faudra.